Bonjour à tous, c'est Rod 426, j'espère que vous allez bien, ou bonsoir si vous regardez le soir, ça dépend. Toujours est-il que ça y est, je lance enfin le premier Let's Play sur Nintendo Switch, hein, et avec de la vraie qualité, attention, hein, sur un petit AverMedia que j'ai eu à Noël, hein, je vous garantis que c'est pas la caméra qui filme extrêmement bien. Il y a eu énormément de tests de son avant, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Je vais être sincère, pour régler le micro, pour régler le son et tout, sachant que là, c'est assez bas chez moi parce que sinon ça me détruit les oreilles. Donc voilà, on fait avec le peu de connaissances qu'on a. Enfin, moi je fais avec le peu de connaissances que j'ai. Et je voulais commencer par une découverte. Hein. Alors, je dispose de plein de jeux, mais il y en a certains. Mario Lapin Crétin, ça va pas être intéressant. Il y a Pokémon Épée qui est prévu, hein, je dis ça comme ça, vous verrez pourquoi. Mais en attendant, je voulais faire World of Final Fantasy Maxima. Je connais absolument pas du tout. Niveau Final Fantasy, j'ai pas fait grand-chose, hein, je connais de la licence assez loin. Les seuls que j'ai fait, ça a été le 3, qui est le seul auquel je me suis vraiment investi. Il y a 6 que je vais tester vite fait sur émulateur. Bof, je suis pas fan des vieux FF avec le truc de temps. Et il y a quoi d'autre? Il y a le 15 que je connais, mais juste par vidéo, c'est tout. Et le 7, bah, qu'on présente plus, quoi. Et aussi 2-3 trucs par-ci par-là, voilà, quoi. Pour vous dire à quel point c'est limité, Maxima, je sais pas du tout ce que c'est, je sais juste que on va jouer des pop. On va jouer des figurines pop, et je fais du coup une dédicace à Lenny White, un pote à moi qui est très fan de pop notamment, ça devrait lui faire plaisir. Bref, j'ai jamais lancé le jeu, donc voilà. Ça c'est, il y a du délai en fait, il y a du délai, c'est pour ça que ça me gonfle un peu. Ce que moi je joue depuis ma télé, mais ce qui se passe sur l'ordi est en retard de, attendez, je calcule, 1 seconde à peu près, donc ça va être chaud. Il y a du décalage, je sais pas si ça se joue automatiquement, dans le cas. Et LP, vous comprendrez pourquoi il y a un truc qui s'appelle LP. En brique, c'est autre chose, mais moi, ben voilà, donc 406. Aussi que je pense à mettre mon code Mi Switch, mais bon. Lançons-nous dans World of Final Fantasy Maxima, si vous le permettez. Peut-être que je vais même couper le son de mon côté carrément. Je sais pas si ça enregistre toujours. Attendez. Ça a l'air de toujours enregistrer le son. Ouais, ça enregistre, ça enregistre. Je peux couper le son de mon côté et continuer à parler, il n'y a pas de souci. Bref. Bah, allons-y. World of Final Fantasy, yes siri. Ok, les voix anglaises, je suis un fervent défenseur pour entendre des voix anglaises, mais là j'ai trouvé dégueulasse. On va direct aller. Le nom du locuteur, si tu veux, minimap, vitesse des combats, je laisse de base. Mode de combat, musique des combats. Je vais mettre la musique par défaut. Alors, je vais mettre en japonais. Pour le coup, ça va être le premier jeu où il n'y a que des voix anglaises et japonaises où je vais mettre en japonais. Je sais pas s'il y aura. Oui, parce que je spoil le let's play. Il y aura Persona 5 Scramble. Parce que voilà. Faudrait peut-être que je fasse vraiment un Persona un jour sur la chaîne. Même si on a d'autres que j'aimerais faire, genre P3. Mais voilà, ça, on va. Des Persona, limite, et anglais, ça va, parce que je baigne toujours dedans, mais alors là, Final Fantasy, en japonais direct. Voilà. Bah, je pense qu'on est bon. Donc, on va pouvoir y aller. Hop, nouvelle partie. Je connais pas du tout. Hein. Je connais. Tout commence par l'éveil, je connais pas du tout, donc voilà.
On dirait Roxas. Je me suis fait la remarque sur le coup, on dirait vraiment Roxas, à quelques différences près. Et surtout les cheveux en fait. Peut-être le style graphique qui aide. Et s'il y a la possibilité de choisir le prénom, ce sera Roxas, je pense. Parce qu'il me fait tellement penser à ça. Et ça, c'est Daminé qui s'éteint les cheveux. Putain. Je vois du Kingdom Hearts partout, mais ça paraît un peu normal. Bah, c'est Square Enix. Je vais pas répondre à la cinématique un peu, je pense. J'essaie de me taire au maximum. Je coupe pas le micro, mais bon. Kingdom Hearts un peu. Un mélange entre la transition vers Kingdom Hearts 3 en fait. Le milieu de la transition vers Cache 3 quoi. Le style graphique de Cache 3 je pense. Super. J'ai pas du tout l'impression de jouer à la flèche. Qui est à moitié vrai. Mais emmène en circuit. Ok, le jeu commence par un suicide. C'est génial. De plus qu'il y a une police station chez lui. C'est l'heure de bosser en route pour le café de la promenade du Nord. Bon bah, je découvre les contrôles. Du coup c'est très calme. Est-ce que le truc sur la tête peut descendre là? C'est là. Okay. Entrez. Putain, mais arrête de bailler. Alors, pour moi, c'est pas affiché la carte, mais j'ai aucune indication, d'accord. Café de 9 et de... Ok. Bonjour. すみません。少しお時間ください。いいわよ。私は急いでないから。
しました。ありがとう。J'aime déjà ce jeu pour son aspect graphique, quoi. C'est génial. J'en ai beaucoup, excusez-moi, j'ai débouché. なんだよね、お客さんがいるんだぞ。まあ、呼び捨て禁止。あと、名前じゃなくて外でもちゃんとお姉ちゃんって呼ぶこと。だから、声大きいって。すみません。けど、はい、エレナで。なんだよ、お姉ちゃん。いや、なんだよじゃなくて。ところで、その頭。頭？誰かに会ったって今姉ちゃんに会ってるし、そこにお客さんもいるだろう。あ、本当だって何それ。あ、でもちょっといいからこっち来て。なんだよ、おい。Ouais, je devais aussi tilter ça. Mais, mais c'est ni ça qui n'a pas de cœur, il y a d'autres qui sont là. Mais, c'est quoi ça? Je sais pas. 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 Je sais pas.おい姉ちゃん、本当に何も覚えてないのね。だからあなたは一体。私のことはエナクロと呼んでくれればいいわ。Okay. もしかして町の人が誰もいない理由とか知ってたりしますか。ええ、いないわよね、ずっと前からだけど。ここはあなたたち二人だけの初めから終わってる時すら存在しない世界。ああ意味不明すぎんだけど。ただ終わってるって言っても世界はそのまま残ってるし、私もたまに見に来てたんだけど、いつもぼーっとしてるだけのあなたが今日は元気にコーヒーなんか入れてくれたからちょっとびっくりしちゃった。あなた何を言ってるんですか。まあ目覚めたのなら物語を進めましょう。OK、ルジュー、s'il te plaît。タマ、はい、なのです。いつの間に俺の頭の上に。で、なんでキダキ。やっぱ気づいてなかったんだ。あとはお願い。私は向こうで道をつなげるわ。了解なのです。あ、ちょっと待ってください。何が聞きたいじゃねえよ。なんで俺の頭の上に乗ってたの。そもそもなんでキツネが喋ってんの。そこから説明するのですか。確かにエナクロ様が投げたくなる気持ちがわかるのです。ってなんで偉そうなんだよ。ちょっと落ち着きなよラン。これが落ち着けるかよ。まあまあ中でコーヒーでもどうです。あ、いただきます。って中のコーヒーって俺が入れたやつだし。てか姉ちゃん純能力高っ。まあまあ
Mais déjà. Pense au système de Octopath Traveler avec tes avec l'excitation, je crois que c'est comme ça. Entre combat et mirage, pendant la bataille, le personnage le plus ravagé pile à jour en premier. Voilà. Ah, le combat en temps actif, un personnage peut choisir avec couronne lorsque le soin est plus à la jauge basique. Ah, punaise, ça va être rentrant, ça va être chaud. Certaines compétences sont associées à X, Y dès le départ. Vous avez appuyé sur ceux qui ont coupé. Okay. Attaque, capture. Les compétences d'ajouter. Je comprends rien. Ah ok, ça s'arrête pour que je puisse choisir, d'accord. Et j'attaque aussi du coup, donc je peux que attaquer. Je vais partir sur celui-là pour l'instant. Point d'action, ok, c'est la jauge rouge. Compétence, sort ou autre commande, des points d'action sont nécessaires. Au fur et à mesure des tours, lorsque vous tirez point faible, tirez partie d'un point faible. Beaucoup de points, la plupart du virage ont d'accord. Voilà, ça va être compliqué. Alors, compétence acuité. Ça coûte un point. Dégâts magiques acuité. Ce type ne peut pas être capturé. Ok. Putain, bon, c'est un peu Pokémon aussi. Il y a beaucoup de trucs. Il y a
il est en train de payer. Résistance élémentaire. Résistance aux altérations. Il a pas de résistance particulière, ok. Est-ce que j'ai des compétences? J'en ai aucune. J'ai pas d'objet. Le feu. Ok. Il y a trois modes de combat, actif, semi-actif et passif. Actif, le combat continue d'avancer en temps réel, le feedback quand vous n'agitez pas. Ah. Le temps sans accord de... Tant que vous n'avez pas choisi, ouais, je vais rester en passif en fait. Je préfère. Pendant le combat, appuyez sur L pour afficher le menu de combat, comme ce menu inspire de la nostalgie ou sur le menu de combat classique. Ok. Ok, donc objet ou fuir ne sont actifs que depuis le menu de combat. D'accord. On va attaquer tout simplement. Pyramide de l'âne. Ok, donc pyramide ça vaut, je suppose. マジで俺たちがはいマジなのですとても信じられないでしょうねその様子だと積み重ねた経験も記憶も何もかも失ってるみたいだしあそっかこの世界と一緒に切り離されてるからかんもともと持っていたミラージュと一緒に記憶も失っちゃったってことですかねでもミラージュと関係のない記憶だけはちゃんと残っているみたいなのですそんなまあとにかくこっちに来てこの光の先にあるこことは違う世界グリモワルそこはあなたたちが失ったミラージュが集う世界俺たちが失ったミラージュがそうよもう一度集めてみる気はあるそのミラージュというのは集めれば私たちが失った記憶も戻るんですかさあそれはどうかしら記憶は忘れてしまったのではなく失ってしまったみたいだしでもあなたたちが覚えていなくてもあの世界はあなたたちを知っているし記憶の鍵や記録は必ずあると思うわつまり私たちが思い出す思い出さないに関係なく失った過去を知ることができるかもってことですかそうよそれにミラージュを集めていけばやがてあなたたちは家族にも会うでしょう家族にえそうか俺たちにも母さんや父さんがええそれでどうするどうするグリモワルに旅立つの Il y a beaucoup les Y dans ce jeu. Mirage, mémoire. Du coup, sauvegarde juste avant. Bah, je vais couper l'épisode ici, histoire d'être bouché, puis ça fera. Belle conclusion pour l'instant. Je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode. Je vais tourner l'autre juste après. Oui, parce que là, ça vient urgent. Si vous avez aimé, que vous voulez la suite, dites-le en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Partagez la vidéo parce que ça fait plaisir aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer la suite. Sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.
Ciao.